On retourne à celles et ceux qui nous rejoignent. Voilà, le temps que l'alerte soit envoyée, n'hésitez pas à partager le lien, parce que là, moi, je suis un petit peu tout seul, donc ça vient pas facilement. Donc voilà, si vous voulez partager, je vais annoncer le premier tirage. Sur place, c'est en route. Une donnée que je n'ai pas, c'est est-ce que les joueurs ont changé de table entre la partie 6 et la partie 7. Voilà. Si vous avez l'info, bah vous pouvez me la dire dans le chat, comme ça. Ça me permettra d'actualiser mes tableurs. Alors, voici votre tout premier tirage. De cette dernière manche, Norvège N, Égypte E, deux fois, Italie I, Égypte E, troisième, Tunisie T et Luxembourg L. Vous jouez avec Norvège, Égypte trois fois, Italie, Tunisie et Luxembourg. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, le top de ce premier coup, vous ferez très attention à la place et à la solution choisie. Nous allons jouer horizontalement en H4. Eli, E, L, I, E. Le N sur la case centrale est T. Eli, E-L-I-E-N-T, en H4, ça fait 14 points.
Une lettre au reliquat, Égypte. On va la rejeter. Et juste pour information, moi je ne peux suivre que les 17 premières tables qui étaient installées ainsi avant la sixième manche, puisque les deux manches 6 et 7 se suivent sans changement de numéro de table a priori. Donc au-delà de la dixième place actualisée, il peut y avoir des modifications par rapport aux joueurs qui étaient dans les tables 18 et au-delà. Je sais qu'il y en a deux ou trois déjà qui sont revenus un peu vers l'avant, mais par contre pour le top 5, le top 10, ça devrait pas trop jouer. Et donc au premier coup, Ellie, il n'y a eu aucun loupé dans les 17 premiers, dans les 17 premières tables. Donc on a rejeté le E d'Égypte. Et voici Océanie O, Algérie A. Jordanie J, Suisse S, Xénophon X, votre premier joker, lettre blanche, et Canada C. Vous jouez avec Océanie, Algérie, Jordanie, Suisse, Xénophon, joker et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. J'affiche juste les résultats. Voir si mon affichage est correct. Voilà, bon, en réalité, c'est après le coup 2, puisque personne n'a raté le top de ce coup que je vous annonce tout de suite. Un maximum à 42 points. Le joker sera un U d'Uruguay. Verticalement en 5J, en appui sur le L de Ellie, nous descendons jaloux. J-A-L-O. Joker U d'Uruguay et X. Jaloux. 5F, ça fait 42 points. Deux lettres reliquats, Canada et Suisse.
c'est un nouveau rejet. Donc vous rejetez le C et le S. Et vous prenez Norvège N, Danemark D, Océanie O, Égypte E, le deuxième joker, lettre blanche, Luxembourg L et Grèce G. Vous jouez avec Norvège, Danemark, Océanie, Égypte, joker, Luxembourg et Grèce. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, le top de ce coup. Soixante-seize points. Faites attention à la solution choisie verticalement en 3B. Le joker sera un A d'Algérie. Pour transformer Eli en Delhi, nous descendons Goéland. G-O-E-L, joker A d'Algérie. N est le D qui transforme Eli en Delhi. Goéland, 3 B, ça fait 76 points. Je ne vous affiche pas les résultats parce que j'ai un petit une donnée qui n'est pas actualisée, donc il faut que je corrige ça pendant le prochain coup. Alors, après ce Scrabble, vous n'avez plus aucune lettre. Vous prenez Suisse S, Océanie O, Suisse S deuxième, Canada C, France F, Égypte E deux fois. Vous jouez avec Suisse deux fois, Océanie, Canada, France et Égypte deux fois. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Voilà. Parce que j'avais pas rentré les négatifs actualisés dans mon tableur principal. Du coup, comme je vous disais, il y a les 17 premières tables par rapport à la partie 6. Donc il y a deux ou trois joueurs, notamment Étienne Budry, Arnaud Delaforge. Fabien Leroy qui se rapproche là, qui se sont intégrés dans ce classement, mais je ne peux pas les incorporer moi à mon niveau. Mais bon, dans le top 10, ça ne change rien. Et donc sur les deux premiers coups, rien à signaler. Et le coup de Goéland non plus. Je veux le saisir, l'actualiser. Je vous demande 30 petites secondes. Alors. Voilà, il n'y a aucun changement. Voilà, alors, on revient à la partie. Un maximum à 64 points. Verticalement en 8F, on appuie sur le L de délire. Nous descendons confesse. C'est O, N de Delhi, F, E, S, S, E. Confesse 8F, ça fait 64 points. Alors, après ce Scrabble, plus aucune lettre. Vous allez prendre Égypte E, Uruguay U, Tunisie T. Égypte E, c'est le deuxième. Hongrie H, Tunisie T, deuxième également. Uruguay U. Encore une fois, c'est un deuxième. Vous jouez avec Égypte deux fois, Uruguay deux fois, Tunisie deux fois et Hongrie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 29 points. Faites très attention à la solution choisie verticalement en 6B. Pour former jeu avec le J de jaloux, nous descendons Hutu. H, U, T, U, E. Le E forme je, J, E avec le J de jaloux. Nous avons joué Hutu. H, O, U, pardon, H, U, T, U, E. En 6, B pour 29 points. Dans les 17 premières tables, il y a eu un échec, entre guillemets. Et c'est mal affiché, mais c'est Gauthier Houillon qui s'est pris confesse. Attendez, je repositionner. C'est pas là le souci, c'est ici. Voilà, c'est capricieux, hein. C'est vraiment du c'est très précis comme, comme système. Donc on revient à la partie. Il reste deux lettres au reliquat, Égypte et Tunisie. Et nous prenons Maroc, M, Italie, I, Égypte, E, c'est le deuxième, Maroc, M, le deuxième également, et Belgique, B. Vous jouez avec Égypte deux fois, Tunisie, Maroc deux fois, Italie et Belgique. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Bonjour belle vue bébé dans le chat. Alors oui, vous pouvez discuter, vous pouvez bien sûr parler, etc. Il n'y a pas de souci, mais j'ai pas vu à quel moment vous avez envoyé votre solution. Ne donnez pas d'indication. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent le chat, mais après coup, éventuellement, une fois que vous avez trouvé quelque chose, après coup, une fois que j'ai annoncé le top. Mais comme l'idée, c'est de faire jouer dans les conditions qui se rapprochent du réel, il ne faut pas se donner d'indications dans le chat. Voilà, merci. Mais par contre, vous pouvez, comme après coup, parler. Voilà, d'ongle, effectivement, Isabelle a raison. Après le coup de goéland, on peut dire, tiens, il y avait d'ongle aussi, c'était plus difficile, moins difficile. Ouais, voilà. C'est tout. Merci pour les gens qui suivent et qui regardent le chat en même temps. Je ne sais pas si c'est beaucoup le cas. On verra. Je vous questionnerai un de ces jours là-dessus. Donc, le top de ce coup. Culmine à 28 points verticalement en 4J. En partant d'à gauche du U de jaloux, nous descendons Bétille. B-E-T-I-E. Au passage, nous formons BU, BU et X, EX avec les deux dernières lettres de jaloux. Bétille 4J. Ça fait 28 points. Alors, je vais regarder 30 secondes les résultats. Alors, le coup 5, c'était quoi? Hutu, il n'y a pas eu de changement. Je les affiche. Voilà, c'est tout pareil. Puisque tout le monde a trouvé le top dans les 17 premières tables sur le coup. Je reviens à la partie. Je regarde le coup de Betty. Non, je regarderai après, c'est trop tôt. Alors, il vous reste Maroc M deux fois. Vous rejetez. Vous rejetez les deux M. Et on repart avec Belgique B, Algérie A, Uruguay U, Algérie A, c'est le deuxième, Kenya K, Kenya, Égypte E et Suisse S. Vous jouez avec Belgique, Algérie deux fois, Uruguay, Kenya, Égypte et Suisse. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Alors, le coup de Betty a été raté par Romain Santi, moins 2. Mais bon, il a une telle avance que ça ne change pas grand-chose, si ce n'est peut-être sur le plan psychologique, perdre 2 points. À mon avis, c'est un coup d'assurance. Il s'est dit, bon, je ne suis pas sûr à 100% pour 2 points, on ne va peut-être pas tenter le diable. Alors, du coup, le top. Du coup, en cours. Du coup. Je reviens à la partie. Un maximum à 63 points, verticalement en 2F. En collante à gauche de Goéland, nous posons K, K, A. Au passage, nous formons K, K dans l'autre sens et en AN avec les lettres de Goéland. K, 2F. Ça fait 63. Au reliquat, 5 lettres, Algérie, Belgique, Égypte, Suisse et Uruguay. On ajoute Roumanie R et Tunisie T. Vous jouez avec Algérie, Belgique, Égypte, Suisse, Uruguay, Roumanie et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Oui, dans le chat, merci de pas donner de réponse, d'indication avant que le coup soit terminé, s'il vous plaît, parce que s'il y a des personnes qui veulent jouer dans les conditions du direct. Alors peut-être qu'elle ne regarde pas le chat, je ne sais pas. Mais bon, dans le doute, mieux vaut parler des coups après qu'ils sont annoncés. Alors, bon, un petit tour sur les classements. Il y a eu sur le coup de K, il y a deux.
Deux joueurs compris moins 3, c'est Samson Tessier et Luc Morin. Est-ce que ça change quelque chose au classement? Je ne crois pas. Je jette un œil. Non, toujours les mêmes. 1, 2, 3, 4, 5. Olivier Bernardin est à un point du top 5. Fermé par Samson Tessier. Alors, on revient à la partie. Le top de ce coup. Cent points. Verticalement en 1B, en collante à gauche de K, etc. Nous descendons arbuste. ARBUSTE. Le S forme SKA et le T forme TAN avec les lettres déjà sur la grille. Arbuste 1B, ça fait 100 points. Précieux Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici un nouveau tirage. Grèce, G. Suisse, S. Italie, I. Roumanie, R. Algérie, A. Tunisie, T. Et Égypte, E. Vous jouez avec Grèce, Suisse, Italie, Roumanie, Algérie, Tunisie et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, petit mouvement. Luc Thomas n'a pas marqué les 100 points du top sur Arbuste.
Et donc, il sort du podium au profit de Christian Pierre, donc, qui était quatrième, qui passe troisième, et Luc Thomas passe quatrième. Ils sont ici. On revient à la partie, le top de ce coup. Maximum à 86 points. Horizontalement en O1, de façon à mettre un S au bout de Betty, nous posons Grezet. G-R-E-S-A-I-T. Grezet O1. Ça fait 86 points. Aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, voici Tunisie T, Italie I, Maroc M, Égypte E, Océanie O, Canada C et Venezuela V. Vous jouez avec Tunisie, Italie, Maroc, Égypte, Océanie, Canada et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, il y a eu un tout petit truc, résultat. Moins 2 pour Olivier Bernardin sur le coup de Grezet, mais a priori, ça ne change pas grand-chose. 1, 2, 3, 4, il est toujours sixième. Mais il perd 2 points. Voilà. Il s'éloigne un petit peu de la cinquième place. Alors, le de ce coup, on avait Vicomte en main qui ne passait pas. Un maximum à 34 points. Verticalement en 4A en collante à droite de Goéland, nous descendons Comte, C-O-M-T-E.
compte. Au passage, ça forme Go, Homme et Le, avec les quatre premières lettres de Goéland. Compte ou compter, pas d'importance la prononciation ici, en 4A, ça fait 34 points. Un reliquat de deux lettres, Venezuela et Italie. Vous ajoutez Québec, Q, Québec, Italie, I, Algérie, A, Égypte, E, deux fois. Vous jouez avec Italie deux fois, Venezuela, Québec, Algérie et Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, le coup de compter a fait quelques dégâts relatifs, hein, des deux points perdus par Christian Pierre notamment. Alors, est-ce que ça fait des évolutions? Est-ce que ça provoque des évolutions? Non, il est toujours troisième, deux points d'avance sur Luc Thomas. Quatrième, cinquième, c'est toujours Samson Tessier. Ça reste très serré hein, entre le quatrième à moins 40 et est-ce qu'il y a moins 50? Non, moins 49. Ouais, entre moins 40 et moins 49, sur 9 points, il y a 6. Il y a 6 joueurs, oui. C'est serré hein, pour une septième partie d'un tournoi en semi-rapide, puisque ce sont 2 minutes. C'est un mouchoir de poche. Alors, on revient à la partie. Sur ce coup-là, le top ne dépasse pas les 25 points verticalement en 6N sur le I de Grézet. Nous posons qui? Q, I. Qui?
6N, ça fait 25 points. Alors, un reliquat de Siltre, Algérie, Égypte deux fois, Italie deux fois et Venezuela que vous allez rejeter. Et on repart avec Égypte E, Algérie A, Italie I deux fois, Norvège N, Luxembourg, L, Portugal, P. Vous jouez avec Égypte, Algérie, Italie deux fois, Norvège, Luxembourg et Portugal. Oh non. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, sur le coup de qui, il ne s'est rien passé, donc on ne change absolument rien au classement. Le top de ce coup, 69 points. Vous ferez très attention à la solution choisie verticalement en 8A pour terminer sur le T de Delhi et en collant à droite des premières lettres de confesse. Nous descendons Pilet, P-I-L-A-I-E-N-T. Le E forme ce et le N forme on avec les deux premières lettres de confesse. Nous avons bien joué Pilet, P-I-L-A-I-E-N-T, en 9A pour 69 points. Après ce Scrabble, Pilet, donc P-I-L-A-I-E-N-T, en 9A pour 69, vous n'avez plus aucune lettre. Voici Danemark D, Norvège N, Suisse S,
Algérie A. Suisse S, c'est le deuxième. Luxembourg L. Et Algérie A. Vous jouez avec Danemark, Norvège, Suisse deux fois, Algérie deux fois et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 24 points horizontalement en I1 pour mettre à la fois arbuste et goéland au pluriel. Nous posons SAS. SAS. Le S vient au bout de arbuste A et le deuxième S vient au bout de goéland. SAS I1, ça fait 24 points. Et il y a eu a priori des dégâts. Gaston Jean-Baptiste ayant pris 0 sur le coup de SAS. Je ne sais pas ce qu'il a joué. On le saura peut-être dans le direct FC. Je regarde. Non, il n'y a pas l'info. C'est peut-être une erreur de saisie, on ne sait jamais. Ça peut arriver. Bon. Donc, si. Ça, au classement, Gaston Jean-Baptiste, eh bien, il descend à la 8e place. Luc Thomas passe deuxième et Christian Pierre troisième. Samson Tessier quatrième. Le cinquième étant Thierry Chinchol. Alors, on revient à la partie. Un reliquat de trois lettres, quatre lettres, pardon, Algérie, Danemark, Luxembourg et Norvège, que l'on rejette. Vous rejetez ADLN et on repart avec Océanie O. Égypte E deux fois.
Roumanie R, Portugal P, Danemark D et Algérie A. Vous jouez avec Océanie, Égypte deux fois, Roumanie, Portugal, Danemark et Algérie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Bon, apparemment, les moins 24, là, le 0 de Gaston Jean-Baptiste, c'était une erreur de saisie puisqu'elle n'apparaît plus. Voilà, donc je vous annonce le top et puis je mets après à jour les classements. Un top sur ce coup à 38 points. En triple appui, horizontalement en K4, nous posons Exposera. Nous partons de EX déjà en place. PO, le premier S de confesse. ERA. Exposera. K4, ça fait 38 points. Deux lettres au reliquat, Danemark et Égypte. On ajoute Algérie A, Uruguay U, France F, Italie I, Roumanie R. Vous jouez avec Danemark, Égypte, Algérie, Uruguay, France, Italie et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Donc, comme je vous le disais, apparemment, Gaston Jean-Baptiste, il a été affiché à 0 sur le coup de SAS, 24 points, moins 24. Ensuite, ça a été rétabli. Après, il a joué un commentaire dans, mais je sais, sur le suivi en direct. Je ne sais pas si c'est à jour par rapport à l'encodage. Ce qui se passe aussi potentiellement, c'est qu'il y a eu l'arbitre a donné 0 et le juge arbitre a rétabli le double arbitrage, pardon, a rétabli le score. C'est possible. On en saura plus tout à l'heure. Donc là, on regarde les classements en ayant rétabli ce 0. Et donc, sur le coup de Exposera, on a Christian Pierre et Olivier Bernardin qui perdent respectivement 5 et 8 points. Eric Imbert également, moins 8. Et donc, ça change un peu la donne au niveau du quintet de tête, si j'ose dire. Romain Santier est toujours champion du monde théorique. Encore quelques coups à tenir. Gaston Jean-Baptiste, toujours deuxième si son histoire de zéro évolue pas. Luc Thomas, troisième, Samson Tessier, quatrième, et Christian Pierre passe cinquième. Donc Christian Pierre et Samson Tessier s'échangent les places. Et le top 5 reste constitué des mêmes personnes, sous réserve encore une fois du peut-être zéro de Gaston Jean-Baptiste sur le coup de SAS. Allez, on revient à la partie. Un maximum à 44 points. Faites très attention à la solution choisie verticalement en 12 H de façon à mettre un I au bout de exposera. Pour faire exposeré, nous descendons Feria. F-E-R-I-A. Feria. 12H, ça fait 44 points. Au reliquat, deux lettres, Danemark et Uruguay. Voici Yougoslavie Y, Luxembourg L, Hongrie H, Maroc M et Norvège N. Vous jouez avec Danemark, Uruguay, Yougoslavie, Luxembourg, Hongrie, Maroc et Norvège. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors effectivement, Gaston n'a pas pris zéro. C'est une erreur, vraisemblablement une erreur d'encodage par l'arbitre correcteur. Ça a été rectifié dans la foulée, mais bon, comme tout est actualisé en temps réel avec du Duplitop, etc., mais on a vite des frayeurs. Donc il est toujours deuxième, Gaston. Ce coup, le maximum est à 31 points. Verticalement en 2i, en partant du A de SAS, nous posons E à Y. Et 2i, ça fait 31 points. Alors on jette un coup d'œil au classement. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est toujours. C'était inchangé par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Allez, on revient à la partie. Au reliquat, 6 lettres. Danemark, Hongrie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Uruguay. On ajoute Wallonie W. Vous jouez avec Danemark, Hongrie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Uruguay et Wallonie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Top à 23 points, horizontalement en D8 sur le A de Pilet. Nous posons WAD W A D. WAD D8, 23 points. Au niveau des classements,
Sur le coup numéro 16, A et AY, il n'y a qu'un joueur, Guy Delors, qui a perdu des points. Moins 6. Et donc, ça ne change rien dans dans le top 5, le top 10 même. Alors, un handicap de 5 lettres. Hongrie, Luxembourg, Maroc, Norvège et Uruguay. On ajoute Norvège, N, c'est le deuxième. Luxembourg, L, c'est le deuxième. Vous jouez avec Hongrie, Luxembourg deux fois, Maroc, Norvège deux fois et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Alors, un maximum à 21 points. Horizontalement en H12, en partant du F de Feria, nous posons foule. F, U, L, L. Foule. H12, ça fait 21 points. On va regarder les classements, mais je crois qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ben, j'ai pas utilisé, donc je ne risque pas. J'ai pas intégré le coup de WAD, mais je crois qu'il n'y a rien eu de particulier. Alors, bon, on verra ça après. Il vous reste 4 lettres. Hongrie, Maroc, Norvège deux fois. Ajoutez Égypte E. Venezuela V. Zambie Z.
Vous jouez avec Hongrie, Maroc, Norvège deux fois, Égypte, Venezuela et Zambie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Jette un coup d'œil au classement, il ne s'est rien passé hein, sur les deux derniers coups. Wad et Full. Donc voilà, ça ne bouge pas. Ici, sur ce coup, on atteint un maximum à 37 points. Horizontalement en N8 pour mettre un Z au bout de confesse et faire confesser. Nous posons Zen. Z E N. Zen N8, ça fait 37 points. Un reliquat de quatre lettres, Hongrie, Maroc, Norvège et Venezuela. On ajoute Uruguay U, Roumanie R et Italie I. Vous jouez avec Hongrie, Maroc, Norvège, Venezuela, Uruguay, Roumanie et Italie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 24 points. Horizontalement en A7, en appui sur le P de pilet. Attention à la solution choisie, nous posons impur. I, M, le P de pilet, U, R, impur, 7. Ça fait 24 points. Le coup est saisi, si vous voulez, je regarde 30 secondes. Là, il y a eu un moins 5 de Luc Thomas sur le coup 19, le coup de Zen que j'ai pas affiché. Alors, Luc Thomas, moins 5. Ça va bien chambouler, ça. Allez, regarde. Luc Thomas qui reste troisième, mais ex aequo avec Sanson Tessier. Et donc le coup 20, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Moins 1 pour Luc Morin. C'est tout. Ok, donc ça change rien. Le top de ce coup, non pas le top, on va passer au tirage suivant. Il nous reste trois lettres, Gris, Norvège et Venezuela. Nous allons prendre Italie I, Maroc M, Venezuela V, c'est le deuxième, et Roumanie R. On joue avec Hongrie, Norvège, Venezuela deux fois, Italie, Maroc et Roumanie. Chrono.
Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 21 points. Horizontalement, en G7, sur ON déjà en place, nous posons ONNI. H-O-N-N-I. Le H forme E, H-E avec le deuxième E de Delhi. ONNI, H-O-N-I en G7, ça fait 21 points. Côté résultat, ONNI a coûté 3 points à Luc Thomas. Du coup, ça change le classement. Il passe 5e. Samson Tessier est 3e. 4e, Christian Pierre. 2e, Gaston Jean-Baptiste. Et a priori, sauf erreur sur les derniers coups, Romain Santi est champion du monde. Bravo Romain. Allez, on va terminer cette partie. Donc, il peut rester deux coups, je pense. Quatre lettres au reliquat. Maroc, Roumanie, Venezuela, deux fois. Vous ajoutez Océanie O, Algérie A et Uruguay U. Vous jouez avec Maroc, Roumanie, Venezuela, deux fois, Océanie, Algérie et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Un top à 23 points. Attention à la solution retenue. Horizontalement en M7, nous posons revue. R-E-V-U. Verticalement, on forme V et 1 avec les lettres de Zen. Revue M7. Attention au choix du mot. Ça fait 23 points.
Rien à signaler sur le coup 22. C'est le coup de revue en l'espèce. Il vous reste 4 lettres au reliquat, Algérie, Maroc, Océanie, Venezuela, et vous prenez vos deux dernières lettres, Norvège et Danemark. Vous jouez avec Algérie, Maroc, Océanie, Venezuela, Norvège, Danemark. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Le coup est terminé. Top à 21 points. Attention à la solution retenue horizontalement en N2 pour terminer sur le deuxième E de Betty et en collante au-dessus de Grésé. Nous posons OV, OV, E. Verticalement, ça forme OR et V avec le R et le E de Grésé. OVN2, 21 points. Aucun changement au classement. Il vous reste 4 lettres, Algérie, Danemark, Maroc, Norvège. C'est un tirage valide. Chrono. Il vous reste 30 secondes.
Le coup est terminé. Le top de ce dernier coup, 26 points, horizontalement en M2, en collante. On appuie sur le I de Betty, nous posons main M-A-I-N. Verticalement, on forme mort et AV avec les lettres déjà sur la grille. Main M2, ça fait 26 points. Le top de la partie est de 963 points. Elle compte 24 coups. Et sauf surprise de dernière seconde dans les derniers bulletins, le champion du monde 2021 de Scrabble duplicate francophone est Romain Santi. Bravo Romain. Et puis la suite des résultats, bon, on va faire ça après le décodage, puisque le dernier coup n'a pas été enregistré sur le site FFFC en direct. Donc on va passer au décodage de la partie, si vous le voulez bien. Allez, à tout de suite. Alors, au premier coup, un seul, deux possibilités de marquer 14 points avec Eli, E-L-I-E-N-T, et enlier, E-E, un autre verbe. Les définitions, je les ferai défiler tout à l'heure. Dans un deuxième temps et dans un troisième temps, il y aura les potentialités des tirages, c'est-à-dire, là par exemple, sur un S, sélénite, ventilé, sur un V, voilà, on verra ça tout à l'heure. Toutes les possibilités à chaque tirage. Donc là, on passe juste en revue les coups et on voit les isotopes, les sous-topes. Alors, le coup suivant avec le X, on avait donc on a topé avec jaloux, isotope Xi en I7, Joua et Exisa font 39, 38, Coxé 37 avec le X qui triple. Alors, tirage suivant, on a Golden, Dongle ou Dongle, Goéland, c'est ce qu'on a joué. Dongle faisait 76 aussi. Golden, en revanche, ne doublait pas. Pour faire des lignes là. Donc 68, de même que Gondole. Dégelon, dégonflé, déloge. En colonne 7, ça fait 64, 63. Ou 62 points. Dégluon également, glénoïde, gondolé et E. Voilà. Plein de possibilités de scrabler. Le coup suivant. Alors, un seul scrabble, confesse, il fallait pas le rater. Sous top, phoque, la voile, F-O-C-S, au pluriel, 37, fossé, 35, cos, 31. Tout ça, c'est à droite de Goéland, formé Go, etc. Alors là, on a joué Utu. On pouvait jouer Ut à la même place pour le même score. Et 29 également avec UE et E qui faisaient confesser et E. Même place E, E, U, H et U, H, U, E faisaient 28. Alors là, on a joué Betty. Bête faisait moins 2, bêtise sans le E, moins 2 également. Et B en N6, 25, tout comme même en 4J, Mimé en N4. K, avec le K qui triple en pivot, faisait 63. Sepk, 60. Ukaz, 54. Kea, 51. Alors, Arbuste gagnait 6 points sur Rebuta qui triplait le B, prolongé, confessé et doublé le mot. Ça faisait quand même un beau score. Hein. Retuba, même place, 86. Butera, Tubera qui faisait banc ou temps, faisait 85 ou 23. 83, pardon. Arbuste passait aussi pour faire confesser à 75. Il y a plusieurs solutions à 75. Notamment les anagrammes de Arbuste qu'on vient de voir et Boutera en G7.
Le tirage suivant, Grezet a été retenu. Pour le même score, on avait Gâterie en N1 au pluriel. Aigrisa 84. Tirage 78. Tout ça, c'était pour mettre confessé, pour prolonger confessé d'une lettre. Etigera, anagramme de Gâterie, retige appareil, ça fait 77, etc., etc. Là, le vicomte ne passait pas. Donc, on a comte à 34, sous-top tech, ton équivalent charbon à 32, émotive en D3 faisait 30. Qui 25, c'était le top, sous-top 22 avec Ève et 21 avec AV. Ici, on a joué pilé à IUNT. On pouvait bien évidemment jouer plié également pour le même score. Et c'était les deux seules possibilités, pardon, de scrabler sur ce coup. Sinon, on ne marquait pas plus de 28 points en 2J avec le P qui triple et le mot qui double. Palier, panier, pilier, plané, 28, tout ça. Pas de E pour sandales. Il doit y avoir d'autres appuis, on verra ça tout à l'heure. Sas, 24 points. Delassa et Dessala, 22. Et puis une flopée de solutions à 21, dont Salsa, Sana, tout ça qui met un S à Confesse. Alors, Exposera, qui s'est un petit peu raté quand même. Triple appui, c'est jamais évident. Râpé et E faisaient 33 points en triple. Déparé 30 en triple également, en mot compte double avec le P qui double, D qui double, déparé aussi 30 également, déparé et E, d'opéra pareil que déparé en hausse à 7, et puis après plusieurs solutions à 27 points. Je vous en épargne la liste exhaustive à pod et pod. Alors ensuite, pas de G pour défigura. Il doit y avoir d'autres appuis, bien sûr, on verra ça tout à l'heure. On a retenu Feria pour la rallonge fériale. Frey, Furia et Furie faisaient pareil. Défia, Rediff, 42, 40. Bon, voilà, à partir du moment où on a le I, on le met au bout de Exposera et on joue à la verticale un mot compte double. C'est la seule façon de faire des points sur ce coup. Et à Y, au coup suivant, 31. Sous-top D à 25, Yam et Yin à 24. Ensuite, on a joué Wad à 23, sous-top EUH ou OUH à 21, sans grand intérêt ces coups-là. Le full, voilà, bah c'est les mêmes sous-top qu'au coup précédent. On a joué full. Ici, on a joué Zen qui fait confesser EZ, AV. En L11 faisait 35 points. Impur était égalé par IP HIP. Revue faisait 23, ça sera le top au prochain coup. Oni pareil, 21, ça sera un prochain top. Alors c'est là, Oni, pardon, j'ai inversé. Égalé par Ré, RH et en 3M. C'est la revue. Voilà, 23 points. Sous-top AV, OV, OV, pardon, c'est le coup d'après. Voilà, Aïd à 18, Démo à 18 en J7. Après, je vais faire défiler les définitions. Voilà, 26 points. Donc pour le dernier coup, main MAIN, moins 2 avec mes MAI, AID en M3 faisait 30 points. Voilà, allez, maintenant je fais défiler les définitions. Ailier, verbe, soutirer du vin pour en ôter la lie. Dongle, ça se prononce bien, dongle, clé de protection informatique, il en fallait un jusqu'à il n'y a pas longtemps pour le logiciel du Plitop. Golden, une variété de pommes.
Hutu d'un peuple d'Afrique centrale, Béti d'un peuple du Cameroun, Béti adjectif donc, I ou IE, Hutu c'est pareil, hein, c'était H-U-T-U ou bien H-U-T-U-E. Sepka qui s'écrit aussi Sepka avec un H et Sepkra avec un R en géographie, c'est un lac d'eau salée dans les régions désertiques. Oukase avec ou sans eau, c'est un édit du tsar ou une décision arbitraire. Grésé, polir avec de la poudre de grès. Ève, non féminin, la femme considérée comme éternel féminin. J'ai tapé dans mon micro tellement cette définition, elle, je la comprends pas. C'est pas grave. Feria, dans le midi, une grande fête annuelle. Alors c'est parfois plus fréquent que annuel, hein, il me semble. Férial, adjectif E ou AUX, relatif à la féerie étant un jour férié dans l'Antiquité romaine. La furia, c'est l'impétuosité. Wad, substance terreuse riche en manganèse. Le foule au poker, c'est un ensemble formé d'un brelan et d'une paire, donc 3 cartes et 5 cartes, et 2 cartes, pardon. AV avec un H découpé dans les mines parallèlement au strat. Onir, couvrir publiquement de honte. Ré, RHE, une ancienne unité de fluidité, ça donne toutes les la rhéologie, la logorée, autorée, tout ce qui a écoulement. Rhume, c'est de la même famille, tout ça. Et ensuite, ben, c'était tout. Non, il y en avait encore un. Où est-ce qu'il est? Voilà, mor, M-O-R, c'est un humus très acide. Allez, on passe maintenant aux appuis, aux potentialités des tirages. Alors, sur le premier, étincelé sur un C, ténélien, entoilé, hélière, sélénité, ventilée. Alors, celui-là, il n'y avait rien. En 9 lettres, je crois pas. Non. Ici, plein de choses. Déjà, on en a vu plein qui passaient. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Des gonflats. Et tout le reste, on l'a vu en hein, plus ou moins. Gondolé, EZ, on n'avait pas vu tel quel, mais il y avait gondole, gondolé, tout ça. Ouais, on a tout vu. Alors, estos fesses là. confesse uniquement, et en 9 lettres, à part les déclinaisons de confesser, escoffier. Fonceuse. Voilà. Alors ici, il n'y avait rien. En 9 lettres, rien non plus. Là, rien. En 9 lettres. Embatim, du verbe embattre. Conjugaison très particulière, ce verbe. Se conjugue comme embattre avec deux T, mais dans certaines formes, avec un seul T, du coup. Donc embattu, E-M-B-A-T-U, par exemple. Je vous laisse vérifier hein, si... Vous avez accès à certains outils pour voir le détail de cette conjugaison. Le tirage suivant, c'était 2-A-U-S-K-E. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Kerabo sur un R. Ouh là là, ça aurait fait très très mal. Et Aquabike. C'est splendide. C'est magnifique ce tirage. Kerabo et Aquabike, c'est magnifique. Ensuite,
Bon, là, il y a 4 milliards de trucs, hein. Tout ça, on les a vus, ça passait. Tubarde, Faubert et Aubert, les deux passaient aussi, hein. Aubert en B, on ne voit plus la grille là. Sur le H de Hutu et sur le F de Confesse, il y avait Aubert et Faubert. Jubarte sur un J, masturbé sur un M, abrupt sur un P, braqué sur un Q. C'est un beau tirage. Bon, tout s'affiche pas à l'écran, je réglerai ça pour une prochaine fois. Là, je suis exténué. Donc, on a vu arbuste. Là, c'est pareil, plein, plein de choses. Et ça fait deux fois que mon logiciel plante, donc je pense que il est temps de redémarrer tout ça. Voilà, donc là, il y en a plein. Tigera, je regarde s'il y a des lettres chères. Ergatif sur un F, c'est joli. Stripage sur un P. Voilà. Alors, le vicomte, c'était tout, en neuf lettres peut-être. Ah oui, vicomtale et combative, et moscovite et muscovité, ou muscovite. On va vérifier ça. Alors, la muscovite, c'est du mica blanc. Bon, là, je crois pas qu'il y ait grand-chose, ni en 8, ni en 9. Ici, on a pilé, plié sur un T, planifié sur un F, épinglé, pinaille, inalpié, lapinier sur un Z. Ensuite, il y avait sandales. C'était tout, avec une lettre en plus. Bon, il y aura délassant, scandale. Dansable, sale bande, glandasse, landaise, etc. Saladine. D'accord. Islandais, désangla, salonard. Délassant, dessalant, oui, forcément. Alors là, un dépotera. Parodier, léoparde, opérande, déposera, redéposa et dépotera. Ici, alors j'ai vu que défigura. Ah oui, fraudier aussi, LED. Il doit y avoir plein d'autres trucs. Non, il n'y a que ça. Défruita, fraudier et défigura. Il n'y a que trois solutions. Moi, j'aurais été persuadé qu'il y avait il y en avait une dizaine. Là, c'est pas trop la peine de chercher, mais on va regarder quand même, hein, on sait jamais. Eh ben non, il n'y a rien, ni 7, ni 8, ni 9. Là, c'est pas la peine, là non plus, là non plus, là. J'y crois moyen. Il n'y a rien. Là, ça sera pareil. Là, éventuellement. Ouais, vivarium. On n'a pas les bonnes lettres. On a les bons V, mais on n'a pas les bonnes voyelles. Et voilà, et c'est terminé. Bah écoutez, merci beaucoup de votre patience, de votre suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris deux, trois bricoles, que vous avez apprécié la victoire de Romain Santi au championnat du monde 2021 de Scrabble duplicate francophone. Et puis, si vous trouvez que cette chaîne est sympa, eh bien, écoutez, abonnez-vous-y, abonnez vos amis, parlez-en autour de vous, contribuez si vous pouvez financièrement. Il y a une cagnotte qui est ouverte pour
pour aider l'aventure à se poursuivre. Allez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et revenez aussi sur dupliquette.club, hein, puisqu'il y a des parties tous les jours. Là, aujourd'hui, j'ai des parties qui sont prêtes, j'ai pas eu le temps de les mettre en ligne, mais je vais le faire tout de suite. C'est la même partie, une partie normale, qui sera déclinée en 2 minutes, 3 minutes et 1 minute par coup. Voilà, trois versions de la même partie, c'est tous les jours comme ça. Sachant que chaque jour, ça varie entre partie normale, partie joker, vocabulaire complet, vocabulaire courant, etc., etc. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao, ciao!